Nous avons voulu, ici à l'Assemblée nationale et plus, plus spécifiquement à la Commission des finances, essayer d'explorer ce monde des crypto-monnaies. Il y a à peu près 2000 euh, monnaies, entre guillemets. Euh, répertorié. La plus connue, c'est euh, évidemment le, le bitcoin. Ce ne sont pas des euros, ce ne sont pas des dollars, euh, ce sont des actifs euh, financiers émis par euh, un certain nombre de gens qui en euh, dominent la création et qui peuvent euh, être des, euh, des vecteurs d'échanges euh, financiers. On a travaillé sur quatre volets. Le premier volet, qui était le volet comptable, et le volet bancaire, comment est-ce qu'on s'assure que nos entrepreneurs aient accès aux comptes en France pour pouvoir créer leur business. Le deuxième, l'aspect fiscal, finalement, à savoir comment est-ce qu'on fait pour avoir un cadre fiscal clair et lisible. Et puis, un aspect réglementaire, comment est-ce qu'on s'assure que nos investisseurs soient mieux protégés. Et pour ce faire, on a travaillé sur la question de la labellisation. On a rencontré plus de 200 acteurs, à la fois des acteurs économiques, c'est-à-dire des entrepreneurs qui créent dans le secteur des crypto-actifs, des chercheurs, des acteurs institutionnels qui supervisent aujourd'hui les flux monétaires, la Banque de France, la CPR, l'autorité des marchés financiers. Donc ce qui nous a importé, c'était de définir le niveau de la, la régulation, comment essayer, au fond, de faire en sorte que l'État français puisse accueillir. Euh, C'est une nouvelle manière euh, de, de, de financer parce que s'il n'y a pas de règles, alors à ce moment-là, tout est possible et notamment euh, grâce à une forme d'opacité et donc euh, toutes les escroqueries, euh, toutes les euh, toutes les subterfuges peuvent être faites. Euh, la question des cryptoactifs est, euh, à mon sens, euh, primordiale. Elle va euh interagir beaucoup avec l'économie réelle dans les prochaines années. Elle va disrupter beaucoup de, euh, de modèles d'intermédiation, le secteur bancaire, le secteur assurantiel. Donc il fallait que l'Assemblée la, nationale s'ouvre sur ces questions pour aussi en faire la pédagogie à l'intention de tous les citoyens. Et en même temps faire en sorte que la France puisse euh, être, ne pas être en retard euh, là-dessus.